êtes venu, c'est pas nécessaire de dire qui est l'invité spécial, vous le savez tout. Et avant que le député responsable de Norbert Neuser va prendre la parole, je vais brièvement dire pourquoi des choses comme ça se déroulent au Parlement européen. Et pour ça, on est un peu surpris, un peu fâché que les Congolais n'utilisent pas assez les structures et les institutions européennes. Il y a 30 ans, j'étais le premier député des écolos allemands ici au Parlement européen. Et pendant les 30 ans de ma carrière politique, j'ai été tous ensemble dans 82 parlements. Et ce parlement est spécial, archi spécial. Pourquoi ? Normalement, un parlement, c'est un lieu pour discuter, changer et adopter des lois. Ce parlement européen, ici, un peu spécial. Pourquoi ? Car la structure de l'Union européenne, ce n'est pas une structure fédérale, mais plus que quelque chose intergouvernemental. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus besoin d'écouter qu'est-ce que se passe à l'extérieur, qu'est-ce que pensent les gens. Et pour ça, il y a des soirées ici où on a 20, 30 réunions à part des réunions normales. Quand un député veut faire quelque chose, et quand il y a une salle libre, on peut utiliser l'infrastructure du Parlement européen pour faire quelque chose. Et pour ça, je ne suis pas votre conseiller ou le conseiller de l'UDBS ou de SAM, mais quand même, ça c'est un lieu où on peut faire tous les 6 mois, une fois par an, une réunion sur une question spécifique. Ma relation avec votre partie du monde date aussi de longtemps. Juste avant les dernières élections, j'ai organisé les deux visites d'Étienne Tshisekedi ici à Bruxelles. Et comme j'ai écouté que toi tu vas être ici à Bruxelles, on a développé immédiatement avec Jean-François Boffoy, que vous trouvez là, totalement à ma droite, l'idée que toi tu donnerais ici une briefing au Parlement européen. On a presque 800 députés, mais c'est très rare de trouver des députés avec une priorité sur l'Afrique. Bien sûr, Louis Michel, bien sûr, Charles Goerens. Mais il existe aussi des députés des autres pays, comme Norbert Neuser, qui est un ami de l'Afrique. Et car l'ancien parti UDPS est membre de la Socialiste International, c'était totalement normal de demander Norbert Neuser le. Oui, oui, le. Personne chez les socialistes qui s'occupe des questions africaines de demander que lui, il peut être le parrain de ce soirée. Mais ce soirée serait seulement possible avec l'assistance des membres de son bureau. C'est Ingo Schiermeier qui est là. Et car Norbert est merveilleux en français, mais pas tellement merveilleux. Dans ce cas, on est ici quand il y a, pour lui donner, quand il y a des langues d'intervention, un petit peu une traduction. Et Monika Schubert-Jung, la femme qui vous a donné votre badge, qui va venir dans mon... Ah, il est déjà là. Dans ce cas, merci Monika et merci Ingo. La tradition ici au Parlement européen est qu'on commence toujours avec une salutation, en quelques minutes. Et après, le temps en général est divisé en 3. Un tiers pour la présentation. Je vois que tu as déjà plein des informations écrites. Et après, 2/3 discussion. La dernière discussion que j'ai organisée, il y avait quelques chose pas tellement agréable car il y avait des gens qui n'ont pas respecté l'ordre du jour, qui ont refusé d'arrêter à parler. Dans ce cas, quand il y a quelqu'un ici dans la salle qui veut déranger,
je vais poliment dire, s'il te plaît, reste dans le comportement civilisé. Si ce n'est pas le cas, il y a des gens de sécurité qui vont venir, pas les bodyguards, mais des gens gentils, et vous accompagner à la porte, en ce que je crois ou j'espère que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Et après le premier tiers, il y a deux tiers où vous pouvez poser des questions ou donner des commentaires. Bien sûr, moi aussi, préparé pour répondre à ces interventions. Et je propose qu'on a fini exactement à 20h. Tous ceux qui veulent encore discuter, car les bars à ce moment vont être fermés ici, on peut aller sur la place Luxembourg. Là, il y a plusieurs bars où on peut, quand vous voulez, encore prendre un verre et continuer la discussion. Mais maintenant, Norbert Neuser. Merci beaucoup, Franck. Merci, Samy. Ladies and gentlemen, good evening. Non, et il va parler maintenant en anglais, et après un certain temps, je vais paraphraser en français. I'm glad to have you here. I'm a member of the European Parliament. I'm working for the Social Democratic Party from Germany, and I'm involved in the Committee of Development and in Foreign Affairs. Moi, je suis député allemand social-démocrate. Je suis ici dans la commission des affaires de développement nord-sud. For my political group, we are the second strongest one in European Parliament. I'm coordinator for the relations to the 78 ACP countries, Africa, Pacific, Caribbean area. Donc ici, on a sept groupes politiques. Moi, je suis membre de la deuxième plus grande, social-démocrate. Et là, je suis le coordinateur des relations avec les 78 pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Right now, we are preparing the European elections in May. And the last polls are looking very good. For us, it's possible that we can become the strongest political group in European Parliament after the elections in May this year. Tout le monde sait qu'il y a les élections maintenant en mai pour le Parlement européen et on est assez confiant d'être même devenir encore une fois la plus grande groupe politique. And also the DRC will go to the polls. The next, it seems, local, provincial and national elections are due to take place between 2014 and 2016. En ce cas, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Vous avez aussi plusieurs élections en préparation dans votre pays. I think there's both there are reasons to worry about DRC and also there are reasons for hope for your country. C'est ambivalent notre évaluation de la situation dans votre pays. D'une part, il y a des soucis, mais d'autre fois, il y a aussi des espoirs qu'on a ici. We worry about DRC when I think about the experience of the elections in 2006 and 2011. Et les soucis, c'est surtout élections 2006, oh là là, mais 2011, difficile. Elections are supposed to be free and fair. They must not become a travesty by irregularities, fraud and intimidation of the opposition. Tout le monde sait qu'une élection doit être libre et équitable et qu'on regarde surtout le dernier résultat. Ce n'est pas du tout comme il devrait être. Elections are normally held to represent the will of us all, the will of the people. Car les élections, ce n'est pas pour honorer la classe dirigeante, mais pour représenter le peuple. They are supposed to reflect different interests so that they can be debated and negotiated in the parliament and finally translated into law. Mais l'élection, c'est aussi comme un docteur prendre la température ou prendre le pulse de la population, de savoir qu'est-ce que le peuple veut et traduire ça en politique réelle. We are worried about DRC when we think about the arrest of Bruno Cabaci, UDPS deputy in the DRC's parliament, after he criticized a member of the ruling party. Vous et moi, on connaît le destin de Bruno Cabaci et on est très concerné par son destin. And we call on the government to do their utmost best to ensure elections to be fair and free
free from intimidation, free from fear to go to the polls, and free from fear of violent outrage and instability. Et dans ce cas, on demande le gouvernement actuel pas intimider la population quand c'est l'élection, que personne ne devait avoir peur de participer aux élections et que personne ne devait avoir peur des émeutes qui peuvent suivre les élections. However, there are also reasons of hope for the Democratic Republic of Congo. Mais quand même, tout ce n'est pas sombre. A few weeks ago, in December, with the support of the United Nations and the Conference on the Great Lake Region, a peace agreement was concluded between the DRC's government and the rebels movement M23 after a tough one-year negotiation. Et dans ce cas, il y a aussi des espoirs, c'est surtout quand vous regardez qu'est-ce qui s'est passé en décembre avec les Nations Unies et la Conférence du Grand Lac, le règlement avec les M23, un an de négociation. M23 will stop. M23 will stop rebellion. Former rebels will be granted amnesty provided by abstain from violation. Et dans ce cas, des résultats, tout le monde le sait, il y a une amnestie et la violence, heureusement, on espère, va finir. They get the chance of reintegration and form a political party. However, cases of atrocities and massive violations of human rights will be prosecuted, such as genocide, sexual violence, and recruitment of child soldiers. Et dans ce cas, cette amnestie va faire possible une réintégration et la création d'une partie politique, mais quand même, il faudrait insister que des grands crimes comme génocide, violence sexuelle ou soldats, enrôlement des soldats, des enfants comme soldats doivent être punis. I think this is a basis for hope, for chance, for peace and prosperity for the people. Et je crois que tous, c'est une chance pour notre futur, pour le peuple de l'Église. The minerals of the region that caused and financed the conflict could be used to support economic development. Et il faudrait vraiment utiliser les minéraux qui ont été alimentés la guerre pour maintenant alimenter le développement économique du pays. It's also on you, the people, to help to implement the peace agreement and to create a peaceful and prosperous country. Et c'est pas seulement la responsabilité des élites à Kinshasa, mais aussi votre responsabilité de participer à cet changement. Thank you very much. And now I think I have the pleasure to invite Sammy for his statement. Merci beaucoup pour votre attention. Et c'est maintenant Sammy qui va parler. Dans cette salle, et je remercie tout particulièrement le député Neuza, des peuples qui se sont déchirés autrefois, mais qui aujourd'hui arrivent par le dialogue politique de pouvoir se mettre ensemble et pouvoir conjuguer certaines choses pour aller de l'avant. Je ne crois pas à la fatalité, je crois plutôt dans le progrès social et dans le dialogue politique. C'est pour ça que je pense qu'il est important et nécessaire d'avoir un échange avec des compatriotes, mais aussi avec l'Union européenne, qui est un soutien important pour la remise sur pied de notre pays, qui, comme vous le savez, a connu un conflit important ces deux dernières années, une crise interne et une crise externe, dû à l'agression que nous avons subie. Mais cette agression, nous ne pouvons pas seulement condamner les pays voisins. Il est connu tout à fait, c'est naturel que quand une brebis est faible, elle est toujours attaquée. Et notre pays aujourd'hui est affaibli parce qu'il y a une crise de légitimité au niveau des institutions de notre pays, et ce, depuis les élections catastrophique que nous avons eue en 2011. Ces élections ont créé un gros problème en interne, au niveau politique. Ça a créé des fractures importantes au niveau de la société.
sur le plan politique avec cette dualité que nous avons au sommet de l'État, une défiance au niveau de la population par rapport au gouvernement. Il y a une fracture sociale aujourd'hui parce que les salaires ne sont pas payés correctement, le panier de la ménagère ne fait que s'alourdir. Il y a une fracture économique en même temps, alors qu'on nous parle d'une croissance de 7 à 8%, le chômage est tout à fait endémique, qui continue à se creuser avec les derniers chiffres qu'on nous a présentés par, au niveau du ministère du Travail. Nous avons une fracture communautaire dans l'Est, et tout ça c'est dû à cette question de légitimité. Donc c'est le problème essentiel, je pense, que nous devons arriver à résorber. Pour cela, il y a eu un instrument juridique qui a été mis en place. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba, il y a eu des engagements au niveau régional qui se résument à la non-ingérence des problèmes des pays voisins. Et il y a eu des engagements au niveau national concernant notamment la réforme des services de sécurité, l'armée et la police, et aussi de pouvoir promouvoir, à mon sens, c'était la clé de cet accord, pouvoir promouvoir la réconciliation, la tolérance et la démocratie. C'est ce qui nous a amené, ou qui a poussé le pouvoir, de pouvoir convoquer les concertations. Malheureusement, ces concertations ont été convoquées de manière autoritaire. Il n'y a pas eu de discussion préalable, ce qui a empêché d'avoir une certaine inclusivité pendant ce forum. L'opposition avait demandé qu'on puisse avoir un médiateur pour diriger ce forum, un médiateur crédible qui pouvait être accepté par toutes les parties. Nous avons aussi demandé à ce que la forme et le fond, c'est-à-dire les thématiques qui allaient être fixées, puissent être discutées au préalable. Mais tout a été rejeté au niveau du pouvoir, ce qui nous a poussé de ne pas assister à ces concertations. Les fameuses concertations ont eu lieu, mais nous avons tous remarqué que ces concertations n'ont pas ramené la paix. Il y a encore des troubles qui continuent dans l'Est, qui s'aggravent même dans le Katanga, qui risquent de nous amener vers carrément une guerre ethnique, parce qu'on se rend compte qu'au niveau du Katanga, il y a un gros problème entre le nord et le sud du Katanga aujourd'hui. Et donc, ces concertations n'ont pas non plus ramené la démocratie dans notre pays. Juste après les concertations, nous avons vu comment est-ce que le pouvoir continue à se comporter. Nous avons encore aujourd'hui beaucoup de nos membres, c'est-à-dire de l'UDPS, qui sont emprisonnés. Nous avons des prisonniers politiques, mais qu'on retient dans les prisons en prenant comme prétexte des crimes de droit commun. Le cas des jeunes Diomi, qui jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas été jugé. Et la Cour suprême avait demandé qu'il soit mis en résidence surveillée, mais il se trouve toujours à la prison de Makala. Vous avez aussi M. Coutineau. Comme vous savez, il y a eu même une mesure de grâce qui a été prise au niveau du pouvoir, mais Coutineau n'a pas pu bénéficier de cette mesure de grâce alors qu'il a déjà passé 7 ans dans cette prison. Et donc, avec cette histoire que nous avons connue, la communauté internationale a pesé de tout son poids au niveau diplomatique pour mettre fin à la guerre, en faisant pression sur les pays voisins pour qu'ils ne puissent plus apporter un soutien à la rébellion qui saisissait dans l'Est, c'est-à-dire avec le M23. Et cette pression a quand même a pu payer parce qu'il n'y a plus eu de soutien, et ça a permis à nos forces armées de pouvoir évoluer sur le terrain, et le M23 s'est carrément retiré donc du pays. Sur le plan politique, il y a eu une amnistie qui a été mise en place,
La majorité a voulu que cette amnistie ne démarre qu'à partir de 2009. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons demandé qu'on puisse ramener cette amnistie jusqu'en 2001, parce que nous avons bon nombre de nos collègues qui sont toujours en prison, comme je le disais tout à l'heure. Le Sénat avait demandé que cela soit fait pour 2003, mais avec cette majorité mécanique qui répond à des mots d'ordre, nous sommes arrêtés pratiquement à 2006. Et donc nous voyons très clairement que les concertations n'ont pas pu conférer cette légitimité aux institutions, et les institutions, l'État congolais aujourd'hui est faible. Il est complètement fragile. Les concertations nous parlent d'un gouvernement de cohésion nationale qui, à mon sens, n'en est pas un. On voit très bien que ces concertations se sont déroulées sur fond d'arrangements financiers et de tripatouillage et surtout de bradage dans les responsabilités publiques de l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se précipitent au portillon pour entrer dans le gouvernement. Nous ne sommes pas du tout concernés. Nous avons tous appris à travers les médias cette plateforme qui a été créée dernièrement, qu'on appelle l'opposition républicaine. Mais l'acte de constitution de cette opposition républicaine dit très clairement que l'opposition républicaine est tout à fait disposée à participer au gouvernement. La loi portant statut de l'opposition est claire à ce sujet. C'est l'alinéa 1, je pense, de l'article 2, qui dit très clairement qu'on entend par opposition tout parti politique ou regroupement politique qui ne participe pas à l'exécutif et ou qui ne soutient pas le programme de l'exécutif. Mais en faisant cette déclaration, qu'ils sont tout à fait disposés à participer au gouvernement, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait appeler cette plateforme une plateforme de l'opposition républicaine. Et donc, nous ne sommes pas concernés par ce gouvernement de soi-disant cohésion nationale. Nous ne sommes pas les seuls, j'entends par là l'UDPS, mais il y a aussi le MLC qui n'est pas concerné, et il y a l'UNC qui n'est pas non plus concerné. Et cela représente plus de 45% de l'électorat aujourd'hui que nous avons au Congo. Dans ce contexte, nous démarrons une période qui risque d'être un tournant pour la République. C'est une période qui peut nous amener vers le chaos ou alors qui peut nous amener vers la bonne gouvernance et plus de démocratie. C'est la période électorale. Dernièrement, le président de la Commission électorale nationale indépendante est passé à l'Assemblée nationale pour nous présenter sa feuille de route, un projet de calendrier. Malheureusement, dans ce projet de calendrier, M. Baluma nous propose qu'on commence les élections par les élections locales, c'est-à-dire les élections urbaines, municipales et locales. Et qu'en second lieu, on puisse faire des élections, les élections provinciales, sénatoriales et celles des gouverneurs. Et ce, à un suffrage universel indirect. Nous avons tous constaté, la majorité y comprise, que ce projet de loi violait complètement la Constitution, et particulièrement son article 197, qui dit très clairement que les élections provinciales doivent se dérouler au suffrage universel direct. Et donc, l'Assemblée nationale a rejeté ce projet de calendrier, et les députés ont plutôt demandé à ce qu'on puisse continuer le cycle électoral normal et donc qu'on puisse procéder à des élections provinciales en premier lieu. Et aujourd'hui, c'est là où nous nous sommes arrêtés, il y a des grandes discussions. La CENI essaye d'influencer la communauté internationale,
Mais nous avons fait une proposition au niveau du groupe parlementaire DPC-AD qui a été acceptée au niveau de l'opposition. C'est-à-dire, c'est que concrètement, nous devons organiser 4 scrutins au suffrage universel direct. Les élections provinciales, les élections législatives et les élections présidentielles. Et sans oublier les élections locales, qui depuis 2006 ne se sont jamais tenues. Et très clairement, nous ne disposons pas suffisamment de temps pour pouvoir organiser ces 4 scrutins en deux ans. C'est-à-dire fin 2014, et là nous avons l'impression que nous allons glisser à début 2015, et terminer ce cycle au plus tard au mois de novembre 2016. Et donc nous avons fait la suggestion de pouvoir combiner les élections locales et les élections provinciales. Cela nous permettrait d'économiser en termes financiers, d'économiser sur le plan logistique et d'éviter de convoquer une deuxième fois un électorat pour gagner du temps et pouvoir organiser les élections sénatoriales et les élections des gouverneurs. Très clairement, nous pensons que ça risque d'être une raison ou un prétexte pour le pouvoir, de pouvoir obtenir ce report des élections de novembre 2016. Et nous demandons très fortement, avec beaucoup d'insistance, à l'Union européenne de soutenir ce projet que nous avons suggéré. Nous avons envoyé du courrier un peu partout, au niveau des chancelleries, au niveau du département d'État et au niveau même de l'Union européenne. Ce matin, j'ai eu encore une discussion avec le coordonnateur principal des Grands Lacs, M. Verbeck, et nous avons pu échanger sur cette question qui est une question cruciale. Parce qu'il est fondamental de respecter certaines choses avant d'organiser les élections. Nous ne comptons pas seulement accepter ces élections à n'importe quel prix. Il faut un préalable. Il faut pouvoir respecter la Constitution, respecter les échéances et respecter la durée et le nombre des mandats. Ce sont des conditions sine qua non. L'expérience nous l'a montré un peu partout dans le monde. Pour pouvoir avoir une démocratie stable et un pays organisé, nous sommes obligés de respecter la loi fondamentale. Ce n'est pas à la loi fondamentale, donc à la Constitution, de s'adapter au calendrier électoral qui est présenté par la CENI, mais c'est plutôt à la CENI d'adapter son calendrier aux fondamentaux qui sont définis dans la Constitution. Et c'est comme ça que nous pouvons donc arriver à aller de l'avant. Vu ce conflit interne que nous avons et ce problème de légitimité, il est tout à fait indiqué que la loi électorale et le calendrier soient adoptés par consensus. Nous ne pouvons pas passer par un vote majoritaire avec une loi aussi importante qui est un tournant pour la vie politique de notre pays. Et donc j'attire l'attention également de l'Union européenne sur la question du recensement, parce que c'est aussi un problème qui peut nous prendre beaucoup de temps. On nous a parlé aujourd'hui d'un recensement administratif, et donc nous demandons à ce que les partenaires internationaux puissent s'impliquer en amont dans toute cette organisation pour pouvoir obtenir des élections crédibles et transparentes dans les délais convenus. Il y a aussi le problème qui a été soulevé par les observateurs internationaux, et on en avait déjà parlé à l'époque en 2011, c'est le nettoyage du fichier électoral. Ce nettoyage doit concerner les omis qui doivent être complètement éradiqués et qui doit aussi concerner l'orientation
des électeurs qui étaient mal orientés, c'est-à-dire des électeurs qui se retrouvaient dans des bureaux qui se trouvaient à des kilomètres pour pouvoir voter dans ces bureaux-là. Et bien évidemment, il y a aussi le problème des majeurs, des personnes qui auront atteint la majorité pendant les 5 ans qu'on aura parcouru d'ici 2016. Déjà en 2014, et puis en 2015 et en 2016. Les statistiques démontrent qu'il y a une progression en général de 3 à 5% et qui peuvent même atteindre 6% dans les pays africains. Donc il est tout à fait important de pouvoir inscrire ces nouveaux majeurs sur le fichier ou dans le fichier électoral. Et puis il y a le problème de la cartographie qui devrait être mise en place pour pouvoir situer correctement tous les bureaux à travers toute la République du Congo et ne pas se tromper sur le nombre de bureaux qui doivent être mis en place, surtout dans les zones rurales. Ceci dit, après le problème politique, nous avons aussi des problèmes que nous devons gérer dans l'immédiat. Ceci concerne le quotidien des Congolais. Donc, pour parler de l'économie, il y a de cela 2 mois environ, 1 mois, j'allais dire, nous avons eu une session extraordinaire. C'était sur le budget de la République. Nous avons pu constater la modicité de ce budget. Un budget de 7 à 8 milliards de dollars pour environ 70 millions d'habitants. Ce qui représente environ 30 centimes par habitant par an pour ce qui relève de la santé. Ça, ce n'est qu'un exemple que je peux vous donner parce que le budget revenant à la santé n'est que de 14% dans ce budget. Alors que les dépenses institutionnelles, c'est-à-dire présidence de la République, gouvernement, Parlement, Assemblée nationale et Sénat, représentent 67% de ce budget. Donc il y a même un problème de répartition dans ce budget tel qu'il est présenté. Ce budget, nous avons remarqué qu'il se pose un problème réel des recettes, un problème de répartition. Donc, ce qui nous appelle à étudier sur la restructuration pratiquement ou de l'innovation dans le secteur de la fiscalité. Nous avons 3 régies financières aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il s'agit de la DGDA, la Direction générale des douanes et des assises, la DGI, la Direction générale des impôts, et la DGRAD, la Direction générale des recettes administratives et domaniales. C'est la direction qui s'occupe de la parafiscalité. Vous pouvez vous rendre compte que dans les réalisations qui étaient assignées à la DGRAD n'a pu atteindre que 34% des objectifs fixés. La DGI, quant à elle, a pu atteindre 80% des objectifs et la DGDA a pu atteindre les objectifs qui lui étaient fixés. Mais ça, c'est parce qu'on a mis à l'importation une TVA qui est de 15%, mais qui est déductible de 5% à la fin du mois. Mais ceci est une entorse terrible à une fiscalité de développement, on le voit très clairement, où une TVA est payée à l'importation et à l'exportation. Et sans oublier à la consommation, quand le produit ne s'arrête qu'à la consommation. C'est un problème gravissime qui doit être réglé. Ce n'est pas comme ça qu'un pays peut se développer et qu'une fiscalité peut être attractive. C'est pour ça que nous proposons au niveau de notre groupe parlementaire l'instauration de la flat tax, c'est-à-dire une taxe unique qui pourrait être imposée au niveau de la République.
C'est une taxe qui se situera entre 10 et 15%. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Il y a eu d'autres pays qui l'ont fait. La Russie, par exemple, qui a fixé sa taxe à 13%. L'île Maurice, le Ghana et bien d'autres pays. La Russie a vu sa fiscalité augmenter de 80% en 3 ans. Aujourd'hui, le gouvernement a des ambitions que je jugerais de rêve, parce qu'il nous parle d'un budget de revenus, d'un pays à revenus intermédiaires d'ici 2018, c'est-à-dire atteindre 20 milliards de dollars d'ici 2018. Mais nous sommes en 2014, nous ne sommes qu'à 8 milliards de dollars. Et encore, sur les 8 milliards de dollars, nous avons un appui budgétaire de près de 2 milliards de dollars. Et nous savons tous que le gouvernement est en rupture avec le Fonds monétaire international. Et donc nous aurons des difficultés à pouvoir atteindre même 15% de cet appui budgétaire. La flat tax sera une flat, une taxe pardon, qui sera une juste imposition, qui touchera un nombre important de contribuables et qui va peser forcément moins lourd. C'est une taxe qui pourra être simplifiée, attractive, compétitive, lisible et prévisible pour les investissements domestiques et les investissements étrangers. Le but aussi, c'est la lutte contre la corruption. Parce qu'avec une taxe située à 10%, il n'y aura aucun intérêt pour les investisseurs de pouvoir négocier ou de corrompre les agents administratifs ou les agents des impôts pour pouvoir contourner le paiement de l'impôt. Et encore, il y aura aussi l'évasion fiscale. Nous voyons aujourd'hui avec les compagnies de télécommunications ou même les sociétés minières qu'il y a une évasion fiscale qui se fait avec les crédits qui ont été octroyés à l'étranger, des montages financiers dont nos inspecteurs n'arrivent pas à remonter et qui posent des problèmes. Cette flat tax permettra aussi de ramener l'économie informelle vers le formel, et cela pourra élargir l'assiette fiscale. Tout ceci pour augmenter les recettes fiscales qui pourront atteindre effectivement les 20 milliards de dollars d'ici 2018. À cela, nous allons ajouter une fusion des régies financières que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire la DGDA, la DGI et la DGRAT. Nous allons demander la mise en place d'un commissaire général qui pourra être nommé un appel d'offres pour les candidats qui pourront être retenus ou le candidat qui pourra être retenu comme commissaire général et qui sera secondé par des commissaires à travers les différentes régies financières. Il y a aussi des pays en Afrique qui l'ont fait et qui ont atteint des objectifs tout à fait étonnants. Aujourd'hui, le Togo est dans ce processus et le Togo espère augmenter ses recettes de 150%. Le Togo a été aidé par la FMI qui les a permis donc de mettre ce projet en place. Enfin, je vais terminer par le Fonds national de développement. Tout à l'heure, le député Neuser en a parlé. Les produits miniers que nous avons, ou les ressources naturelles que nous avons, sont devenus une malédiction pour le Congo. Ce sont des produits qui ne font qu'enrichir des personnes, vous pouvez vous imaginer de quelles personnes il s'agit, et l'État en retour ne perçoit rien du tout. Nous devons mettre un fonds national de développement en place, un fonds qui devra être géré en dehors de l'administration de l'État, mais qui pourra être géré avec nos partenaires, notamment le FMI, l'Union européenne, la Banque mondiale et des experts,
Cela existe aujourd'hui dans d'autres pays, avec le Timor oriental par exemple, qu'il a fait depuis 2005. Et le Timor oriental aujourd'hui a un budget de 15 milliards de dollars. Et donc, en mettant en place ce Fonds national de développement, nous pourrions investir dans le secteur des infrastructures, pardon, et aussi pouvoir mettre un contrat social en place pour pouvoir traiter les problèmes de santé, d'éducation et de sécurité pour notre population. Voilà en quelques mots, si je peux dire ainsi, la situation que j'ai essayé de résumer, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan économique, parce que le gouvernement n'arrête pas de nous chanter cette croissance de 7 à 8% que nous avons, une croissance qui ne respecte pas le cadre macroéconomique, parce que cette croissance, on nous parle des chiffres de la croissance, qui sont de 7,9% je pense aujourd'hui, de l'inflation maîtrisée, qui est de 3,9%, mais on ne nous donne pas les chiffres du chômage, ni les chiffres de la balance commerciale. Les derniers chiffres de chômage que nous avons reçus du ministère du Travail sont de 93% de taux de chômage dans notre pays. Et donc là, ça montre très clairement que la croissance est une croissance artificielle. Ce n'est qu'une extension, ce n'est que le coût de la production des produits miniers qu'on nous met et qu'on nous présente comme étant une croissance tout à fait normale. Alors que c'est la droite de du cadre macroéconomique et donc ça ne respecte en aucun cas les chiffres, les principes, pardon, du cadre macroéconomique. Voilà un peu en quelques mots ce résumé, donc je disais. C'est là notre position, le groupe, la position du groupe parlementaire UDPS et ALDE. Je suis d'ailleurs accompagné ici du deuxième vice-président de notre groupe parlementaire, M. Jean-Claude Mvuemba. Et nous pensons, nous, pour ce qui est de notre cas, que nous allons rester dans l'opposition, nous allons assumer notre rôle dans l'opposition, en toute responsabilité, de manière républicaine et ferme. Nous resterons fermes, mais nous ne serons pas fermés au dialogue et nous ne serons pas fermés au compromis. À un compromis qui vise un objectif qui sera pour l'intérêt général de notre population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Très instructif. Merci beaucoup. Alors maintenant, en face de nous, une heure de débat. Vous le savez vous-même, il y a toujours des gens qui parlent un peu trop et qui sont difficiles à arrêter. Ici au Parlement européen, on a une certaine règle. En plénière, 2 minutes, et les députés doivent s'arrêter. Dans ce que je propose aussi, qu'on va suivre un petit peu cette tradition, je demande maintenant qui veut commencer et après continuer de soit poser des questions, faire des commentaires ou les deux en une. Et après 5, 3 interventions, de vous les proposer. Oui, je m'appelle Baudouin Ambaouichi, je suis rédacteur en chef de journal en ligne congoindépendant.com. Je voudrais poser une question d'actualité. Monsieur Victor Kamere se trouvait aujourd'hui à Bukavu avec une délégation. Il semble que Victor Kamere, qui est président du parti de l'opposition pour la nation congolaise, il se confirme que la police a tiré sur la foule qui est venue assister à son meeting. Est-ce que vous avez des nouvelles sur cette situation ? D'origine congolaise. Je m'interroge sur le choix que fait l'UDPS ou les partis dits d'opposition par rapport à leurs partenaires politiques. Quand on sait que la loi d'amnistie qui a été votée très rapidement dans la précipitation
promulguée dans une précipitation tout aussi égalable, a été décriée par les organisations gouvernementales et la population, mais saluée par l'Union européenne et l'ONU. Question par rapport au rôle de l'opposition au Congo. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font réellement, parce que j'ai entendu M. Badibanga dire que la minorité Tutsi était rejetée au Congo. D'abord, j'aimerais savoir cette minorité, de quoi est-ce qu'elle souffre, parce que dans les institutions congolaises, elle est surreprésentée. Donc, sur tous les plans, le chef de la police, dans les services de renseignement, dans l'armée. Louis Ngando. Ma question concerne l'accord cadre, parce que c'est un document de référence, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, il y a une partie qui s'adresse à M. Badibanga et l'autre aux députés. L'accord cadre d'Addis Abeba concerne plusieurs pays, et donc je me demande en quelle mesure cet accord est contraignant ou pas. Puisque cet accord a été soutenu par la communauté internationale, quelle est la marge de manœuvre que l'Union européenne a pour faire appliquer cet accord aux pays voisins qui le violeraient? Ça, c'est ma question. Et à M. Badibanga, donc par rapport à l'accord cadre, sur ce que vous en avez dit, nous nous rendons compte que ce soit par rapport à l'armée, que ce soit par rapport aux concertations nationales, cet accord cadre n'est pas appliqué comme il se devait. Quelle est la marge de manœuvre que l'opposition parlementaire a pour faire appliquer cet accord cadre? Je voudrais savoir la position de l'UDPS par rapport aux autres partis politiques. On a le sentiment, vous me direz si on se trompe, d'un certain dédain des autres partis, voilà, alors qu'on pense qu'à l'approche des élections, une coalition forte avec l'UDPS comme un leader de cette coalition, ce serait une force pour le Congo et pour l'opposition, pour faire fléchir le gouvernement. Je m'appelle Michel Moto, je suis représentant adjoint de l'INC, parti de l'opposition, de l'honorable Peter Kamere. Avant de répondre à M. Ambaweti qui a posé la question d'actualité sur la situation du jour, je voudrais ajouter juste un point sur l'exposé de l'honorable Sami Badibanga, que je félicite. En fait, l'honorable a oublié de souligner que l'opposition, je parle de l'IDPS, de l'INC et de l'IMLC, ces partis n'ont pas signé les codes de bonne conduite proposés par le président de la commission électorale, pour des raisons justement qu'il n'y a pas de bonne conduite. Bon, je vais répondre à M. Ambaweti sur l'actualité du jour. Depuis le matin, nous sommes en contact avec Bukavu, où le président Vital Kamerhe est arrivé aux environs de 14 heures. Au moment où il devait tenir son discours sur la grande place, dans la place de l'indépendance dans la ville, la police a lancé des lacrymogènes et tiré à balles réelles. Monsieur Michi Michinini, du Congo Lobek. Je veux poser directement trois questions à chacun de vous. Mais je veux commencer par M. Mazur. Vous êtes membre de l'International Socialiste. J'aimerais savoir maintenant, primo, qu'est-ce que vous avez fait, je parle de l'International Socialiste, en sachant que l'UDPS est membre de l'International Socialiste. Qu'est-ce que l'international socialiste a fait pendant les élections de 2011, le résultat et tout ce qu'il a fait? Je sais qu'il y avait eu beaucoup de contacts qui ont été faits. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était votre attitude en ce temps-là? En sous-question maintenant, vous êtes en même temps député de l'Union européenne. Comme vous le savez, l'Union européenne a financé depuis 2006... les élections au Congo. Toutes les deux, même celle-ci aussi, il y avait eu une part de contribution qui ont été données, y compris la Belgique. Qu'est-ce que l'Union européenne a fait de tout cet argent qui a été dépensé? Maintenant, à mon cher Sani Badiman, je suis étonné, moi, personnellement, quand j'entends ici M. Sani Badiban dire « UDPS est allié ». Mais
À ce que je sache, je suis membre de l'UDPS depuis les années 80. Depuis même la création. Mais j'ai toujours su, j'ai su qu'après ces élections ici, pour ne pas avoir respecté le mot d'ordre qui a été donné de tous les députés de l'UDPS de ne pas aller à l'Assemblée, que vous vous êtes auto-exclus directement. Et je lui pose la question ici pour savoir combien de fois depuis qu'ils ont déjà mis leurs pieds à l'Assemblée. Parce que la raison était qu'ils sont allés pour entrer et changer les choses à l'intérieur. Qu'ils puissent nous citer même une seule chose que depuis qu'ils sont là-bas, qu'ils ont changé dans ce pays-là. Ok, bon, c'est Cheikh Fitta du journal En Ligne, Info En Ligne des Congolais de Belgique. Et j'ai suivi avec attention donc, la conférence de M. Badibanga et j'ai suivi aussi l'intervention du député Nezer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour dialoguer, pour parler démocratie, il faut qu'il y ait un minimum de bonne foi donc, en face? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis 2011, le président sortant n'a pas voulu partir? Est-ce que vous avez l'impression qu'il voudrait bien partir? Y a-t-il des signes, oui ou non, qui montrent qu'il voudrait bien rester? Et si cela est le cas, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, groupe parlementaire? Et à M. Nezer, si tel est le cas, est-ce que vous êtes attentif aux signes par rapport au fait que le président qui est resté au pouvoir cherche à y rester? Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'Union européenne? Merci. Mon prénom est Myriam. Ma question a trois sous-points, mais le premier sous-point a été posé par M. Michimi. N'empêche que je voudrais demander à M. Badibanga s'il tire toutes les conséquences du fait d'avoir accepté d'être figurant d'une opposition au Parlement congolais. Et en fait, pour moi, la question de fond est de savoir s'il y a vraiment une opposition au Congo. La deuxième sous-question est en rapport avec les élections, de savoir par rapport aux élections de 2006, quelle est l'implication de l'opposition actuellement par rapport aux organes dirigeants de la CENI. Et l'autre aspect par rapport aux élections est de savoir à l'époque, vous avez participé aux élections en postulant un mandat sous le label UDPS. Et je voudrais savoir si vous avez tiré des leçons, soit vous, soit l'UDPS, en tant que parti politique, au niveau de la responsabilité qui, à mon sens, doit être partagée. Voilà, donc je m'appelle Richie Blanca. Je voudrais poser ma question au parlementaire du Congo ici présent. Voilà. Vous avez, M. Badibanga, donc parlé de faiblesse et de priorité en RDC. Le Congo est un pays souvent agressé et où les voisins viennent, si je peux dire, danser. Alors, nous n'avons pas une bonne armée. Nous avons la population qui faut. Alors, que nous manque-t-il? Que vous manque-t-il à vous pour faire une loi et faire lever une bonne armée dissuasive et bien payée, alors que vous êtes payé grassement et en insécurité sur un territoire pas défendu du tout? Vous risquez même un matin de vous réveiller sous occupation sur l'ensemble du territoire et même là à Kine, parce que vous n'avez pas une armée. Je m'appelle Oussama Gadoumela. Ça fait 34 ans que je vis en Belgique. Je suis arrivée ici, j'étais adolescente. Donc j'ai vécu l'époque Mobutu, j'ai connu l'époque Mouzé parce que j'allais au Congo en vacances, je connais l'époque Kabila Tabani. Donc moi je ne vais pas vous poser de questions, je vais tout simplement dire à mes compatriotes, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons aussi de faux fuyants, arrêtons d'agresser le parlementaire. Il a pu avoir ses voix, donc il y a des gens qui ont eu confiance en lui pour qu'il se retrouve au Parlement. Et vous allez lui demander de rester chez lui, de regarder la télé. Franchement, moi j'aurais souhaité entendre des propositions ici. Monsieur le député, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous n'avez pas assez de pouvoir pour changer les choses. Nous vous proposons
des financements pour telles actions. À partir de ces actions-là, vous pourrez montrer aux populations que vous faites quelque chose pour qu'on puisse enfin vous voter. Et que si vous n'avez pas eu vos voix, que ces populations-là se disent que ce monsieur a fait quelque chose pour nous, pourquoi il n'a pas pu obtenir sa place. C'est ça que moi j'aurais souhaité entendre. Je n'étais pas là quand il a fait son exposé, mais j'ai fait 2 ans au Congo, je viens de rentrer depuis le mois de décembre, je suis partie en 2012. Ce monsieur ne dort pas au Parlement. Merci pour la parole. Donc, pour KLB, je vais de l'observation. La première, c'est que je me rends compte, tout le monde dans la salle, on a fait remarquer que l'Union européenne est hypocrite. Des institutions internationales. Hypocrite. Le Congo était malade que dans une éprouvette. Et dans cette éprouvette, c'est une expérience. On y met de la morphine, dans l'analgique, on met n'importe quel produit, c'est-à-dire on est mis en plus 4. On a mis un Kabila en sachant qu'il n'a pas gagné les élections, parce que M. Nedor le dit. Il reconnaît. Mais on a dit, faisons cette expérience. J'espère qu'après ces expériences au Congo, vous ne voudrez pas que le Congo meure. J'ai comme impression, et cela ne concerne que moi, que le Congo n'a aucun intérêt au niveau des institutions internationales. Parce que je vois comment est-ce qu'on se comporte dans d'autres pays, que moi j'appellerais, excusez-moi, pas seulement l'expression, petits pays. Peut-être qu'ils ont certaines importances par rapport aux élections internationales. Je vois comment on est très bien au Mali, je vois comment on est très bien en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit du Congo, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On est frileux, mais pourquoi? Et pourquoi cette question est pertinente? Tous les Congolais se posent cette question. Vous n'avez pas accepté les résultats des élections, parce que la sanction de ces élections, c'est ici qu'on a dit que le président Kabila allait. Oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi vous l'avez fait. Et maintenant, je dis, j'espère, ça servira de leçon. Surtout qu'il y a eu ce paramètre de la représentation qui survole par rapport aux articles de la loi qu'on aurait changé. Ça sera une très bonne leçon. Monsieur Bouya, tiens. Une question qui est destinée à M. Badibanga. Si j'ai bonne mémoire, il y a une loi qui a été votée au Parlement sur le financement du parti politique. Cette loi existe avant les élections de 2011. Quid ? Pourquoi aujourd'hui cette loi n'est toujours pas appliquée ?